Moon Knight, écoute-moi bien, je te parle à toi. D'où, sur 6 épisodes, tu te permets de mettre qu'une seule fois l'apparition du logo Marvel Studios à chaque début d'épisode avec la musique derrière, la vraie musique, la fanfare. Qu'un seul épisode sur 6? Les 5 autres, tu mets des musiques totalement indépendantes. Pas de problème, pas de problème. On a compris, on a compris, on a remarqué que tu voulais te la jouer. Voilà, je suis une série à part, je suis un personnage pas comme les autres, je suis indépendant vis-à-vis du MCU. D'accord, ok, pas de problème. Mais respecte-nous! Respecte-nous, bordel, quand même! Et bien avec tout ce bordel, on en aurait presque oublié le sixième et dernier épisode de la série Moon Knight. Sixième et dernier épisode de la saison 1, j'espère. J'y crois vraiment. Je crois en une potentielle saison 2 pour moi vis-à-vis de cette série parce qu'elle en a vraiment le potentiel. Le personnage en a le potentiel. Et maintenant que pas mal de choses ont été introduites, notamment voilà, tout l'aspect mythologie égyptienne et aussi la dualité psychologique du personnage, maintenant on peut vraiment accélérer, pourquoi pas dans l'action. Mine de rien, concernant cette série, cet épisode était très attendu parce que l'épisode 5 de la semaine dernière était très 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 convaincant, en tout cas me concernant, c'est un épisode que j'avais beaucoup aimé, qui nous laissait justement sur la pseudo-mort de Steven et le fait que Mark ait, grâce à ça, pu accéder justement à ces fameux champs de roseaux, puisque la balance s'était équilibrée au moment de la mort de Steven. C'était un épisode 6 qui était attendu aussi parce qu'il avait la lourde tâche de conclure pas mal de choses, mine de rien, tout en étant l'épisode le plus court de la série. Voilà, on va comprendre. Concernant mon avis sur cet épisode, je l'ai bien aimé. Franchement, je l'ai bien aimé globalement. C'est un épisode qui n'a pas énormément de surprises, si ce n'est une seule, pour le coup, qui m'a bien surpris et que j'ai kiffé, mine de rien, dans cet épisode 6. Mais globalement, pas de surprise. La série se conclut comme elle devait se conclure, avec de l'action, beaucoup d'action. L'épisode 6 est l'épisode où il y a le plus d'action de la série, et la série en avait bien besoin, mine de rien, parce que ce qui était reproché jusque-là par beaucoup, beaucoup de personnes, et ce que je pouvais comprendre, c'était le manque d'action, mine de rien, parce qu'on a affaire à une série Moon Knight, et le héros en question, en costume, en action, sur les 5 premiers épisodes, bon, ben, on l'avait pas vu tant que ça, surtout sur les deux derniers. Les deux derniers, on l'avait pas vu, à part au dernier épisode où on a justement la scène où, au moment où justement Khonshu a pris possession du corps de Mark et où Mark est devenu Moon Knight, c'est tout. Sinon, sur les deux derniers épisodes, bon, ben, il n'était pas présent. Donc voilà, c'était quand même un épisode qui était nécessaire pour voilà, nous donner un petit peu voilà, de l'action. Et je trouve que globalement, l'épisode est réussi à ce niveau-là. Niveau action, on en a. On en a, c'est assez explosif. En termes d'effets spéciaux, je trouve que j'ai l'impression qu'ils ont tout mis, que la série a tout mis sur les deux derniers épisodes. Parce que mine de rien, cet épisode 6 est pour le coup réussi, je trouve, au niveau des effets spéciaux. Les effets spéciaux sont globalement pas la plus grande réussite de la série, mais je trouve que sur cet épisode 6, ça fonctionne plutôt bien. On voit que c'est des effets spéciaux, mais ils sont plutôt bien faits, notamment Amit, qu'on voit en mode déesse avec sa tête de crocodile, pas comme les autres dieux, et ça, c'est une petite déception pour ma part. Dans l'épisode 3, c'est quelque chose qui avait beaucoup, beaucoup contrarié les gens. L'épisode 3, au moment de l'assemblée, pardon, et de la réunion des dieux de l'Ennéade, on les avait vus en avatar, pas en mode vraiment dieu. Ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup, beaucoup fait parler et qui avait pas énormément plu. Moi, je m'étais dit que justement, si c'est la première fois qu'on les voit, parce que c'était la première fois qu'on voyait l'Ennéade, et qu'on voit leurs avatars, c'est pour nous montrer qu'il y a d'autres avatars aussi à travers le monde qui sont des avatars, on va dire, de ces dieux-là. Et ensuite, plus tard dans la série, nous montrer réellement les dieux avec leurs têtes d'animaux, un petit peu comme Khonshu, Amit dans cet épisode 6, ou même Taoret avec sa tête d'hippopotame. Pour le coup, les autres dieux, on les revoit dans cet épisode-là, pas énormément, enfin, pas longtemps, parce qu'ils se font dégommer justement par les troupes d'Aro et Aro lui-même, pour justement laisser Amit être libéré librement et pour qu'il n'ait rien qui interfère justement avec sa libération. C'était très très cool. Enfin, le fait de voir Amit, justement, c'était cool. Après, bon, les dieux, concernant les avatars, c'était un peu chiant, mais bon, voilà, ils apparaissent 2 secondes, donc on s'en fout. Mais concernant Amit, voilà, on la voit, elle se combat avec Khonshu, Khonshu qui a été libéré aussi par Layla.
et donc qui affronte Amit. Donc le, pour le coup, le combat était réussi visuellement et on a deux divinités qui s'affrontent. Bon, c'est pas non plus ultra ultra spectaculaire, ça s'envoie des patates, ça s'envoie valser sur quelques mètres, mais c'est tout. Après, quand ils deviennent gigantesques, c'est un petit peu what the fuck d'ailleurs, mais pourquoi pas, c'est plutôt cool. Après, ils bougent pas énormément quand ils sont gigantesques, mais bon. Mais sinon, ouais, globalement, au niveau de l'action, il y en a beaucoup et c'est bien chorégraphié. Franchement, toutes les scènes d'action entre Moon Knight qui affronte les troupes d'Arrow et Mr. Knight qui fait son retour aussi et qui affronte les troupes d'Arrow et Mr. Knight qui fait du sale dans cet épisode. Enfin, il est plus là en mode « Oh, attention, Marc, qu'est-ce que tu fais ? Non, on peut pas tuer ces gens-là. » Bam, il y va avec les deux bâtons, il fait du sale, c'est très stylé. Les combos en plus qui varient entre Mr. Knight et Moon Knight sont très très cool, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, niveau action... Y a pas à dire, c'est cool. Moi, j'ai été ravi. Après, concernant la conclusion globale de la série, c'est rushé. C'est rushé. Je mentirais si je disais pas que, non, pour moi, en termes de rythme, c'est tout à fait normal. Elle est bien développée, la fin est bien conclue. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est rushé pour moi. En même temps, l'épisode est le moins long de toute la série, donc c'est compliqué. Les différents avis justement qui émergent concernant cet épisode 6 et concernant la série puisqu'elle est désormais conclue divisent pas mal. Franchement, entre les gens qui ont complètement adoré, qui revendiquent la série comme étant la meilleure série du MCU et qui disent que c'est du génie, et les autres qui disent que c'est à chier du début à la fin, qui se sont fait chier sur les 6 épisodes, etc. Ça divise pas mal, on a les deux extrêmes. Me concernant, je me mouille pas, je me mets entre les deux, même si je suis plutôt du côté positif. J'ai globalement beaucoup aimé, je vais pas trop en dire justement concernant mon avis global sur cette série, mais j'ai globalement bien aimé pour l'instant la série. Après, on verra comment elle va évoluer dans ma tête par rapport au recul que je pourrais avoir. Mais voilà, et sur cet épisode 6, c'est un bon épisode. Encore une fois, je trouve que c'est un bon épisode, pas non plus exceptionnel, mais quand même un bon épisode. Franchement, je vous dis la vérité, je voulais au début séparer, faire deux vidéos bien distinctes concernant cet épisode 6 et cet épisode final. Je voulais faire dans un premier temps un avis, une critique sur l'épisode 6 et ensuite faire une vidéo pour théoriser, analyser, on va dire, la scène ou les scènes post-génériques de cet épisode. En l'occurrence, on n'en a qu'une seule, mais franchement, je vais combiner les deux en même temps parce que j'ai la flemme de faire deux autres vidéos bien séparées. On fait tout d'un coup, donc ça c'est fait. Concernant la scène post-générique, enfin déjà la fin de cet épisode 6, quand même la surprise que je disais qui m'a beaucoup plu justement dans cet épisode, c'est Leila El Faouli qui devient une héroïne. Voilà, ça c'était la surprise franchement de cet épisode 6. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Leila n'est pas du tout un personnage des comics, c'est un personnage qui a été exclusivement créé pour la série, qui ressemble, oui, par rapport aux comics, au personnage de Marlène, mais le fait que justement elle devienne une héroïne, je crois pas que Marlène dans les comics devienne aussi une héroïne, et justement c'est le cas avec Leila dans cet épisode, et franchement elle voit du lourd, puisque justement ça, c'est devenu l'avatar de la déesse Tauret, encore une fois l'hippopotame, et elle voit du lourd, franchement sa tenue est classe, elle a un petit côté warrior, petit côté Wonder Woman qui est assez cool, et elle voit du lourd en termes d'action aussi, donc ça m'a beaucoup plu. Concernant ensuite la fin de l'épisode, bon ben on a Moon Knight qui a réussi à vaincre Arrow, Khonshu qui a réussi à vaincre Amit, grâce à Mark et Leila qui ont cerné, on va dire, l'entité d'Amit en Arthur Arrow. Donc Arthur Arrow est devenu justement l'avatar d'Amit et a scellé Amit en elle de manière indirecte. Donc voilà, on a ensuite Khonshu qui veut que Mark finisse le job, finisse le boulot et tue Arrow, comme ça on tue à la fois Arrow et à la fois Amit, comme ça c'est fait. Mark décide de faire le choix de ne pas le tuer et il demande à Khonshu de les libérer, justement lui et Steven. C'est ce qu'il croit arriver. C'était français ça ? C'était français ce que j'ai dit ? C'est ce qu'il croit arriver. Bref, vous avez compris, je m'en fous, même si c'est pas français. Et ensuite, on a la fin de la série, on a Mark qui se réveille dans l'appartement de Steven à Londres, attaché toujours à la poutre, et puis bam, fin d'épisode. Ça se finit assez brusquement, on va pas se mentir, quand même. Donc voilà, globalement, la série
est plutôt bien. Cet épisode, encore une fois, je répète, est bon. Mais ça va quand même un petit peu vite. Et on a donc la scène post-générique. Et franchement, je vais vous dire la vérité, elle m'a fait quand même pas mal penser à Breaking Bad. Peut-être parce qu'actuellement, il y a la saison 6 de Better Call Saul qui est diffusée. Donc, on est encore dans. Enfin, on est de retour, on va dire, dans cet univers de Breaking Bad qui est très cool d'ailleurs. Enfin, Better Call Saul, je parle. C'est ouais, une scène qui m'a fait beaucoup penser à Breaking Bad avec le délire où on a Arthur Haro dans un fauteuil roulant, dans ce qui semble être un hôpital psychiatrique. Ça peut faire penser au Tio, justement, dans le fauteuil roulant au sein d'une maison de retraite, justement, dans la série Better Call Saul. À chaque fois, ses membres de la famille viennent le rendre visite, lui parlent en espagnol. Là, on a Jake Lockley, justement, qui est enfin révélé dans cet épisode, en scène post-générique. C'est ce qu'on pouvait supposer, mine de rien, concernant la série, qui vient et qui lui parle en espagnol. Donc voilà, la révélation de Jake Lockley, la version beaucoup plus dure, beaucoup plus violente de chez Mark. J'avais fait une vidéo la semaine dernière qui parlait justement de cette fameuse troisième identité, donc de Jake Lockley, est-ce qu'il était réellement présent ou pas suite à l'épisode 5 de Moon Knight, où ben justement on était face à un épisode de révélation et on n'avait toujours pas la révélation de si Jake Lockley était présent ou pas. J'avais dit quand même que oui, il serait présent, je pense, à l'issue du dernier épisode, parce que ben, sinon ce serait cohérent par rapport à plein de choses qui ont été teasées par rapport à ça au début de la série. Et pour le coup, ben, il est là. Voilà. Après, on ne sait pas comment ni pourquoi. Khonshu le savait. Khonshu, ou le savait. Oui, le savait. Khonshu était au courant. Il était au courant, l'enfoiré, le piaf sournois là. Il était au courant qu'il y avait une troisième identité chez Mark, mais il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il est malin, l'enfoiré. Donc justement, ben, Khonshu est toujours en Mark, mais sous l'apparence de Jake Lockley, justement. Enfin, je crois. Bref, vous avez compris. Donc ouais, plutôt cool ce teasing. Pas de Blade, pas de Werewolf by Night. Mais en tout cas, c'est une scène post-générique qui est efficace. Qui est efficace, qui tease pas mal de choses pour la suite concernant le personnage. Mais quelle suite? Quelle suite? Saison 2? Film solo? Apparition dans un autre projet concernant un autre personnage? Pourquoi pas Blade? Ou Werewolf by Night? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, moi, je suis pour une saison 2. Je suis pour une saison 2 parce que c'est un personnage qui a énormément de potentiel. Même enfin, surtout maintenant, puisque justement tout l'aspect psychologique a été introduit et développé. Maintenant, on peut vraiment passer aux choses sérieuses et pourquoi pas parler d'un justicier masqué qui affronte et qui casse des gueules aux méchants, justement la nuit, à Londres peut-être, ou même dans une autre ville. Un lien avec Blade, un lien avec Werewolf by Night, tout l'aspect nuit du MCU qui peut être développé avec Moon Knight, pourquoi pas? En tout cas, moi, je suis totalement pour une saison 2. Je pense que vous l'avez compris, je l'ai assez répété. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cet épisode 6 de la série Moon Knight et cette scène post-générique. Et pour le coup, on se retrouve dans quelques jours pour reparler de Moon Knight, parce que voilà, je vais consacrer une vidéo pour parler de la série dans sa globalité. Et puis de dire pourquoi, selon moi, cette série a eu des couilles. Je le dis, ouais, cette série, Moon Knight, a quand même eu des couilles. Et ça me plaît. Voilà, tout simplement. C'était Zino. N'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 6 et vos théories pour la suite du personnage. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Zino. Je vous fais des bisous.